Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mario et Luigi Dream Team Bros. Et aujourd'hui, du coup, on est sûrement à la dernière, du coup, parce que nous sommes tout en haut du truc. Et du coup, pas mal de changements parce que déjà, comme vous pouvez voir là, on a atteint enfin le rang arc-en-ciel qui est au niveau 40, du coup. Et non seulement aussi, j'ai récupéré tous les Cosinus, du coup, de l'île. Ce qui nous a fait en sorte qu'on a gagné la dernière attaque frère de Mario, du coup, l'œuf de rêve. Du coup, maintenant, on a tout, hein. Et d'ailleurs, c'est l'Ancionio, là, qui donne les 10 fragments, là. Si vous avez les 52 Cosinus qui sont sur l'île. Si vous avez les 52 Cosinus, eh ben, il vous donnera justement la dernière attaque frère. Bref, du coup, nous voici au combat final, peut-être, après tout. Mais on y va, on avance. Fille, impressionnant que vous soyez arrivé si loin. Antasma, c'est la fin pour toi, tu m'as bien compris. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que tu ne reviennes jamais. Fille, j'ai déjà entendu ces mots. Il y a bien longtemps. Mais ça ne se passera pas comme ça, cette fois-ci. J'ai Bowser avec moi. Hein? Quoi? Je commence à en avoir marre de tes filles. Filles? Mais qu'est-ce que ça veut, tu veux dire par là? Je veux dire que t'es qu'un idiot. Tu pensais que tu m'utilisais, moi, le grand poseur? C'est tout le contraire, mauf souris. Qu'est-ce que... Non, mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ce château, Peach, la pierre des rêves, c'est tout à moi, t'entends? Tout appartient à Bowser. Grand roi Bowser, tout est en frapperait. Allez, faites pas sa tête. Je vous laisse vous amuser entre losers. Moi, j'en ai fini avec vous. Belle pierre de rêve, c'est l'heure de rêver. Guide-moi jusqu'au dernier étage. Se faire trahir comme ça, je te plains, Antasma. Fille, je ne veux pas de ta pitié, garde-la pour Bowser. Mais avant que je ne m'occupe de lui, je vais m'occuper de toi. J'attendais ce moment, Antasma. Réglons les choses une bonne fois pour toutes. Ça va, ils se battent bien. Ne me dis pas que c'est ce que tu as dans le ventre. Que c'est tout ce que tu as dans le ventre. J'ai du mal à lire. Ça y est. Fille, je peux maintenant ouvrir les portails oniriques quand je le veux. C'est pour ça que je combattais la pierre des rêves. Dans le monde des rêves, je peux me battre avec toute ma force. J'ai changé Teddy Bear. Je t'aurais prévenu. Eh, hey, attends un peu! Eh ben, il a pas fait long feu, hein, Teddy Bear. Teddy Bear, tiens bon! Ah, il est devenu plus fort qu'avant. Mario, Luigi, je m'en remets à vous. Sauvez l'île et la pierre des rêves. Je vais vous prêter main forte. Oniluchi, bouge-toi. On se bat avec Teddy Bear, du coup. Thank you.
Il est plus rapide que moi. Il doit avoir une bonne vitesse quand même, hein, en Tasma. J'ai raté. Mais prends-le, prends Tasma là. J'ai fait encore n'importe quoi là pour l'instant. Il bouffe ses orbes, donc ça veut dire qu'il peut bouffer au nid du G du coup. C'est vraiment une question bête, mais bon, c'est une question que je pourrais me poser. Hein. Bon allez, il faut arrêter de... Ouais, là j'ai bien fait. ...667, c'est bien. Il augmente encore ça en attaque, hein. J'ai cru qu'il était déjà mort. Ok. Bon allez. J'ai raté. Mais il en reste juste un, c'est une blague. Il va le bouffer du coup. Non, ça va, il le mange pas, ça va.
Bon, bah, pour l'instant ça a l'air d'aller, il m'a pas trop touché pour l'instant. Je sais pas combien de points de vie il a ce monsieur, mais il a l'air d'en avoir plein. Non. Fais une attaque. Oh, il est mort. Marteau sinistre. Eh, il donne pas mal, hein. 9000. Ça va. Oui, nous avons réussi. Nous avons vaincu Antasma. Oui, enfin, nous l'avons battu. Mario et Luigi, je vous remercie. Mais nous n'avons pas une minute à perdre. Nous devons nous occuper de Bowser maintenant. Du calme, Teddy Bear, n'en fais pas trop. Pas d'inquiétude, je vais mieux. Mario et Luigi, en avant. Mais Luigi, cette fois-ci, c'est le combat final. Bowser et ses sbires sont au dernier étage du château. Attends-nous et rattraperons-les. Eh bien, c'est parti! On va aller défoncer. Ou on va se faire défoncer, peut-être. Je pense plutôt qu'on va se faire défoncer, mais bon. Non, mais ce n'est pas possible! Ils nous ont déjà rattrapés! Ça sent leur aussi. Ils ne vont pas nous épargner. Parapouné, Mascou. Mes chers amis, le temps est venu pour nous de montrer notre courage. Protégeons ce château. Ouais! Allez-y, protégez-le autant que vous voulez. J'entendrai Bowser et je mourrai, peut-être. Après, je peux me dire que je vais sûrement mourir, hein, vraiment. Ah d'accord, ça me touche quand même. Il va falloir que je regarde... Non, ça m'a touché. Il faut que j'arrête de parler en même temps que je joue et que je me concentre un peu. Et là, j'ai sauté, bordel de merde. Il faut que j'arrête de dire des insultes, ça serait bien quand même. Ah ! Bon, ça suffit là. Voilà. Ok, là-bas. Au-dessus. On passe en dessous, on a ici petit checkpoint, on passe au-dessus. Ok, là-bas. Non, on recule, on passe en dessous. Non, bah je m'en doutais ça, que ça m'aurait touché. Il y a des petites bonbons là qui sautent et qu'il y en a qui sautent pas, sérieusement. Waouh. Ces sales moustachus et leurs acolytes, ils ont réussi à passer. Dans ce cas, chargez! Et leurs acolytes? Pourquoi ça se passe toujours comme ça? C'en est fini pour moi! On a fait tout ça, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais comment tu peux ne pas voler? T'es un Koopa! Un Koopa volant en plus! T'as des ailes! À quoi ils servent tes ailes ?
sauvegarde. Je vais en avoir besoin de lui. Pardon, mais vraiment, je sens que ma mort va arriver. Je sens vraiment que je vais crever. Oh, digne d'un Bowser, sérieusement. Là, le combat, oh oui, très dynamique. Il est temps d'en finir avec vous. Quoi? Mais arrête donc de jouer au gros dur. Sans la pierre des rêves, tu n'es rien. Moi, j'ai utilisé tout ce que je peux. Ça s'appelle de la stratégie. Tu peux dire ce que tu veux, mais ne nous laisse pas utiliser la pierre des rêves plus longtemps. Nous allons te battre comme nous venons de le faire avec Antasma. Antasma, cette pitoyable chauve-souris, ne me comparez pas à ça. Bon Mario et la moustache verte, dites bonne nuit à papa. Je vais me servir de la pierre des rêves pour vous faire disparaître. Paf! Pierre des rêves, fais-les disparaître. Alors, ça t'a plu? Que penses-tu du pouvoir positif? Tu ferais bien de te préparer, tes méfaits s'arrêtent ici. Princesse Peach, et toi de là? Vous devez vous occuper de lui et détruire la pierre des rêves. Mais la pierre? Faites-le! Il vaut mieux que la pierre soit détruite plutôt que d'être utilisée par des vils desseins de Bowser. Très bien. Peach, tu es prête? Oui, je le suis. Toutes mes excuses, c'est Dibber. Ils ont pété la pierre. Quoi? Non! La pierre des rêves! C'est pas encore fini! Il a bouffé les fragments. Ah! Gras! Quoi? La pierre des rêves? Il a aspiré les fragments? Je me sens bizarre, tout bizarre à l'intérieur. Ah mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as encore foutu Bowser là? Bruh. Oh non, Bowser s'est transformé? Ouais, ouais, je me sens puissant. Il a tout absorbé, toute l'énergie de la pierre des rêves. Il ne faut pas le laisser faire, étoile d'or. Nous devons essayer de l'arrêter si on peut. Mario Luigi, escortez la princesse en lieu sûr. C'est pas vous que vous allez faire de grand chose, hein, les deux gringalés là. Son pouvoir est trop grand pour nous. Ah, si je pouvais au moins aider Mario Luigi. Merci de m'avoir soigné. Oh, des flammes arc-en-ciel, c'est stylé quand même. Regardez ces flammes. J'ai la classe avec ce nouveau look. Ah, quelle puissance. Rien ne peut me résister. Peach, cette île, ce monde, absolument tout est à ma portée. Tout est à moi. Et vous, les Minus, vous êtes cuits. Au secours. Ah, d'accord, Oni Bowser, bras droit, bras gauche, ok, il va falloir détruire tout ou ça se passe comment? Ok, le bras droit se protège le visage. Ça a rien fait, hein. Il va falloir péter le bras droit d'abord. Alors ça, j'ai essayé dans mon coin, mais je sais absolument pas comment le faire. Donc, je vais quand même essayer, parce que je suis vraiment attabré.
Il va déjà se soigner, sérieusement? J'apprends les attaques, hein. Vraiment, là, je suis en train d'apprendre les attaques, mais... C'est chaud! Et il fait vachement mal, d'ailleurs, à ce que je vois. Il y en a un qui est pas mort. Mais je suis vraiment bête, hein. Je sais pas comment faire. Déjà, on va se soigner. Et de toute façon, là, il va résister parce que son bras il est revenu, donc... On va péter son bras droit. Mario Lucci, Mario Lucci, ok. Voilà, c'est ça qui je disais que je savais pas faire. Y'aura. Mais je ne sais pas comment faire tout ça, moi. Mais j'appuie bon, faut trouver un autre moyen pour péter son truc et je sais pas comment faire pour Ça fait rien en dégâts, ça. Je vais pas me dire qu'il... Non, j'allais dire, il est pas déjà mort. C'est bon. Mais il fait vachement mal. Je sais pas comment esquiver tout ça, moi.
Bon, je fais n'importe quoi. Mais là, c'est pareil, j'ai appuyé. Mais j'appuie! Hey, je vais mettre des inputs, sérieusement. Comme quoi, j'appuie bien et... Bon, il faut que je réessaye ça, parce que c'est une technique qui est puissante en soi. C'est du n'importe quoi ça. Mais c'est du n'importe quoi! Je sais pas comment faire! Bon, vas-y, c'est bon, je suis mort. Hein. Mais vas-y, je peux. Mais va te faire foutre, hein. Ouais, bon, c'est bon, je suis mort. J'ai compris. On réessaye. Bon, pétons le bras droit déjà. On a vu qu'il se protégeait. Ça, il faut vraiment que j'y arrive. Y a pas moyen, c'est fort. Mais je touche. Et le truc, il me casse les couilles. Hein. Vraiment, ça me fait chier, mais pas possible. Mais va te faire. Et en plus j'ai tué tous les machins. Mais d'ailleurs son bras droit il est pas pété. Hein. Je sais pas si je suis pas assez puissant pour le vaincre, mais bon. J'ai raté. Allez, je veux réussir, bordel de Mayaou. Bon, moi, j'ai réussi un peu. Un peu. C'est bon, j'ai rattrapé.
Bon, je me concentre un peu. Ça suffit les bêtises. Mais ça fait que 200 de dégâts, sérieusement. En soi, c'est pas fort. Hein. Si j'ai bien vu, ça faisait que 200 de dégâts. Hein. Bon, ça suffit les conneries là. Et lui se régénère aussi tant que je les ai pas tous battus. Allez, ça suffit là. En fait, la phonie, il sert à ça quoi. À tout, juste les tuer eux. Allez, reviens sur la course, Bowser. Bon, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ça, peut-être que ça ira être... Ça sera très bien, ça, je pense.
Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi, Mario, ok. J'ai raté! Mais même en ratant, sérieusement, c'était encore plus fort, sérieusement. Mais j'ai appuyé sur un. C'est pas possible, hein. Vraiment. J'ai des inputs à la con qui marchent une fois sur trois. Il est mort, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Pardon, mais bon. Je vais sortir de mon personnage deux secondes. Mais t'es vraiment une quiche, putain! Pardon, excusez-moi. Il est vraiment pas fort, hein. Ou c'est moi qui est vraiment trop level up? J'en sais rien, mais tu dois être level 40, c'est le level minimum! Mais je sais pas, mais le rang le plus haut, c'est level 40. Non, le rang le plus haut, c'est pas level 40, parce que tu peux être level 99, je pense, mais bon. Il faut vraiment farm comme un gros taré. Grâce à vous, tous les habitants de cette île devraient être en sécurité maintenant. Et mais bon, bref. Il est vraiment nul, alors, si c'est ça. Hein, parce que, putain... Je suis mort qu'une fois et encore, voilà quoi, c'est parce que j'ai fait vraiment n'importe quoi. Oh non, le château, il est en train de s'écrouler. Nous devons nous enfuir. Prenons le chemin par lequel nous sommes venus vite. Luigi, calme-toi, c'est bon. Le château s'est déjà partiellement écroulé. Attends-nous. RIP. Voilà, Protodor, tu viens au bon moment. Il a rattrapé Luigi avec son bec. Mais n'importe quoi, Luigi, c'est le meilleur. Il rattrape Luigi avec son bec. Tu vas pas me dire que ça va. Si, ça explose. RIP le magasin. Du coup, qui était en face du château.
Mario, Luigi, vous n'avez rien? J'ai eu si peur. Alors, vous en dites quoi? Je vous ai sauvé juste au moment où vous alliez y passer. Les super-héros, les super-divinités font toujours leur apparition à la dernière minute. Je devrais vous faire payer pour ces trucs non prévus. Mais je me sens d'humeur... Guriette, hein. Ce sera gratuit pour cette fois. Je suis généreux et juste, vous êtes d'accord, hein? Merci, vous êtes très généreux. Enfin, Cécile devrait pouvoir retrouver son calme habituel. Princesse! Le vieil homme que j'ai suis été si inquiet! Je m'en excuse, cher Papy Champi. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Princesse Peach! Et Maître Mario et Maître Luigi! Vous allez tous bien. Vous avez sauvé tout le monde! L'effrayant château d'Antasma et de Bowser n'est plus. Et maintenant, tout n'est que Joy et Live. Thank you beaucoup! Nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre travail sans peur, hein? Grand poteau d'or, êtes-vous prêt? C'est pour faire quoi, ça? J'ai demandé l'aide de tous les habitants de l'île pour avoir collecté tous les fragments qui ont jailli hors du corps de Bowser. Oh, je suis vraiment désolé. Cela m'attriste que vous ayez dû briser un objet aussi important que celui-ci. N'ayez point de remords, chère princesse, la pierre des rêves peut être restaurée. Protodor, restaurez la pierre des rêves pour nous, s'il vous plaît. Très bien, je vais m'en occuper. Une pièce. Hop, admirez ça, c'est une pièce onirique. Avec elle, veuillez recevoir ces quelques mots. Ne dépensez plus, la pierre des rêves. Ne dépendez plus d'un objet, mais aidez-vous les uns des autres. Débarrassez-vous de cette dépendance aux objets et devenez plus fort. Vous comprenez, hein? Même le plus pur des éveils spirituels nécessite un léger support financier. Utilisez cette pièce onirique à bon escient et réalisez tous vos rêves. Vive les pièces, j'adore les pièces. Après tout, je suppose que ce n'est pas si mal que ça d'avoir une pièce onirique. J'approuve. Et il a raison, rien n'est plus important que l'indépendance. Dit et Dibert, finalement, ce n'est pas trop mal passé, non? Je n'ai pas terminé. Admirez la vraie pièce onirique! Il a fait un trou dedans? Ah non, d'accord. Oh, des pièces! Il pleut des pièces! Un déluge de pièces! C'est magnifique! C'est juste wonderful, l'attraction ultime pour faire venir les touristes. Et Teddy Bear, il est mort! Yes, une île faite de trésors pour votre chasse au trésor. C'est un beau slogan, non? Ça sonne bien, je trouve. Excusez-moi, Prince Teddy Bear. Prince Teddy Bear, je crois qu'il est mort, là. Je vous prie de m'excuser, j'étais perdu dans mes pensées. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je suis convaincu que les habitants du royaume Cosinus pourront tous être ramenés dans notre monde. Oui, c'est vrai. Je pensais à cette dépendance à la pierre des rêves. Protodor a raison, je dois bien l'avouer. Dorénavant, nous devons unir nos rêves, nos forces pour restaurer le royaume par nous-mêmes. Mario et Luigi... Nous vous sommes profondément reconnaissants. Toad est redevenu normal. Tout est redevenu normal. N'importe quoi. Pourquoi j'ai lu Toad? Tout le peuple Cosinus, tout le royaume Cosinus. Tout sauf la pierre des rêves. Arrêtez de penser à cette pierre.
Tout le monde vous remercie. Merci du fond du cœur. Profitez maintenant de vos vacances. Vous les avez bien méritées. Profitez de l'île Cosinus. Bien sûr. Nos vraies vacances commencent maintenant. Mario Luigi, en route. Merci, c'était nickel. Bois. Ça ne peut pas voler plus vite, ce truc. Votre magnificence. Faisons-nous des petits... Tout petits et gardons profit bas. Ouais, tu as perdu la tête. Faire profit bas, moi. Je n'ai pas perdu. C'est à cause de cet enthousiasme de malheur qui que tout s'est mal passé. Et de vous aussi. Ah non, vous êtes plutôt bien débrouillé. Votre grandeur, roi Bowser, merci Seigneur. Ah, je ne vois plus rien, des larmes de joie me cachent la vue. Écoutez bien ça, j'enlèverai la princesse Peach encore et encore, je n'arrêterai jamais, vous m'entendez? Jamais! Perdre n'a jamais été une option, et abandonner non plus! C'est pour ça que vous êtes le boss. Votre grandeur. Permettez-moi de vous appeler votre Altesse. Je vous suivrai où que vous alliez, même si c'était dans un puits sans fond. Je reviendrai. Mario, et la moustache. Non, Luigi. Ouais, des pièces. Une pluie de pièces. Ouais, bonne appétit, arrêtez vos idioties. Et voilà, c'est la fin de ce Let's Play. C'était Mario et Luigi Team Dream Boss. Et c'était un plaisir d'y avoir joué. Et les crédits sont en bas. Que vous ne verrez pas. Pardon. Mais il y a des choses que vous n'avez pas vues, hein, de toute façon. C'est comme le fait que vous n'avez pas vu les combats de titans. Il y avait 5 combats de titans, bah vous les avez pas vus malheureusement, parce que il y avait que l'écran du haut, et pas l'écran du haut, puis l'écran du bas, parce que voilà. En soi, j'avais décidé de mettre que l'écran du haut, parce que forcément, bah, je me disais que l'écran du bas ne servait à rien, parce que ça affichait seulement la carte. Sauf que le jeu m'a dit, fuck that shit, et bah tu vas voir que l'écran du bas ne sert pas à rien, et que bah physiquement, et bah il y a des combats de titans. Et là, bah, il me montre encore que ce n'est pas que ça ne sert pas à rien parce que l'écran du bas, bah, c'est là où il y a les crédits. Et en haut, vous voyez un splendide Luigi qui dort dans la piscine. Génial. Bref, hein, du coup, quoi dire de ce jeu, hein, franchement, si je peux dire un truc, c'est que je suis quand même un peu déçu du boss final. Je pensais qu'il aurait duré plus longtemps que ça. Mais physiquement, bah, il a pas fait long feu. Hein. Après, c'est peut-être parce que je fais énormément mal, mais bon, je faisais quand même, si je voyais bien, je faisais quand même du 600 de dégâts. À part pour l'aphonie où je faisais du 200 de dégâts, mais ça, ça a l'air d'être un tir groupé, on va dire. Et c'est pour vraiment des groupes d'ennemis immenses, je pense. Et que si t'as envie de tous les tuer d'un seul coup sans te faire chier, on va dire. Mais sinon, l'étoile, en soi, l'étoile qui est très bien pour moi. Et plus le canon, là. Le canon, franchement, c'est une dinguerie comment ça peut faire mal. Hein. Mais il suffit juste d'être assez fort pour faire beaucoup de dégâts, hein, en soi, directement quand... De toute façon, c'est ce que j'avais fait, hein. Direct, j'avais fait en sorte que je reçoive plus d'XP, et après j'avais fait en sorte que je gagne plus 1 de puissance à chaque fois que je gagnais d'un niveau. Et c'est pour ça à chaque fois que j'étais aussi fort, hein, je pense. Mais le fait qu'à la fin, au rang arc-en-ciel, j'ai pris deux choses parce qu'on avait la possibilité pour reprendre deux objets en fait. Donc j'ai pris le fait que je puisse utiliser les attaques du haut
que ça coûte moins cher. Et le fait que ma défense soit de 25% en plus, du coup. Mais bref, franchement, c'est un très bon jeu, je trouve. Un peu déçu pour le boss final, mais bon, je pense que c'est un peu normal, on va dire, parce que le boss final en soi, c'est pas fait pour être non plus trop trop dur, à part. Mais non, 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 si, hein, tu dois quand même galérer, hein. Là, je l'ai fait en deuxième try, hein. Ok, voyons voir. Temps, 40 minutes à peu près. Niveau 40, c'est bon. Taux d'excellence, 88%. Taux de récupération des blocs, 91%. Ok. Ennemi vaincu, ça vous le verrez pas, mais je vous le dis du coup. 4097. Fuite, 4. Nombre de KO, 27. Dégâts subis, 1110. Ok. Le truc qui est parfaitement rond, quoi. Champignon avalé, 106. Vous avez fini le jeu. Les options suivantes seront débloquées à l'écran titre. Jukebox, mode difficile. Parce qu'il y a un mode difficile. C'est une blague? Ah oui, Jukebox. Si je fais commencer à jouer, du coup. Et si je fais pas de données? Ah non, d'accord. Si je fais ça. Bah non, ça va directement aller au stade où je vais aller au Néo-Bosarium, là, du coup. À mon avis, c'est quand tu commences une partie et du coup. Ah non, non, il y a en dessous, c'est recommencer en mode difficile, d'accord, j'ai vu. En fait, si vous voulez, dans l'écran du bas, vous avez deux fichiers, du coup. Donc, mon premier fichier et le fichier en bas qui n'y a rien. Et un peu plus en dessous, vous avez recommencer, mais en mode difficile. Voilà. Donc, bah, ça sera la fin de cette vidéo et de ce let's play, du coup, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau, du coup, un nouveau let's play. Et à bientôt, et salut, bye bye!